practical inspiration to all. Working hard every day, never to fall. From bottom to the top, Tom Psycho never stops. Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Bon les gars, nous il va falloir qu'on se rafraîchisse la mémoire de ouf. On va aller voir le mode carrière où on en est parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué. Mais là c'est vrai que cette semaine sur Ultimate Team, c'est pas forcément une semaine qui nous intéresse plus que ça, cet événement. Donc on en profite justement pour aller voir un petit peu le mode carrière, où c'est qu'on en était resté. Alors, on va déjà se remémorer le classement, c'est juste. Je me souviens maintenant dans la merde dans laquelle on était. Le classement est très compliqué. Il va nous rester, il y a quoi? Il y a 20 équipes ou 19 ici? 20. On va avoir 38 matchs, c'est-à-dire qu'il nous reste 12 matchs et qu'on est pour l'instant à 5 points de l'Atlético Madrid. Donc ça, c'est assez dingue. On va aller juste voir au niveau du calendrier si je me souviens plus, si on doit encore jouer contre eux ou pas. Là, pas pour l'instant, en tout cas. Si, il y a un Atlético Madrid où on va devoir jouer contre eux. Ok, d'accord. Donc, il va y avoir des matchs super intéressants. Et en LDC, oula, en LDC, et on va voir aussi éventuellement le classement. Tac, 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 tac. Classement ici. Ensuite, je fais normalement Y, c'est ça. Et Ligue des Champions. On est donc, voilà, on était 3-1 en 8ème de finale. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Donc on se souvient, notre but, c'est bien évidemment de finir meilleur buteur et gagner le championnat dans chaque championnat où on va. Pour l'instant, au niveau du meilleur buteur, on n'a pas trop de doute. On a 39 buts marqués en 26 matchs. Donc du coup, je pense que ce sera fait sur cette saison-là. On rappelle aussi qu'on est en prêt hein, venant de Manchester United. Et puis du coup, les gars, on va pas se mentir. Et ben, on va y aller. Hein. On va y aller. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Donc on sait qu'on doit jouer tous les matchs pour éventuellement réussir à être champion. Ça va pas être facile, mais on va essayer. En tout cas, faut se remettre dedans. Alors notre équipe, on se remémore. Torres, ok, Dembélé qui est toujours là, Pedri qui est ouf, Kimmich aussi qui est sympathique, Timber, Stanisic, bizarre. Ok, après Incapié, j'avoue que je connais pas. Et on a un gardien un petit peu pété au sol. Mais bon, on y va. Allez. Allez, let's go. Mon attaque, c'est Cruyff, Zidane 97 et Hardiste. Mais franchement, je te dis la vérité, moi, si j'avais Ronaldinho Totti, je pense que je jouerais que sur ce compte-là. Hein. Ronaldinho Totti, c'est un joueur tellement que tu peux jamais t'offrir à la base. Je sais pas combien il est à l'heure actuelle, hein, Ronaldinho Totti, mais c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie, les gars. Tu connais ce rare? Ouais, je connais. Malheureusement, je t'avoue que je suis pas piqué. Hein. Alors, malheureusement ou heureusement, je sais pas trop. Je suis pas piqué. En vrai, trop compliqué. J'ai de la peine à tout comprendre. J'ai de la peine à me mettre dedans. Donc voilà, en fait limite il faudrait un mec qui est super calé, avec qui je fais des appels 2-3 fois par semaine, tu vois, le soir, et puis on se fait ça. À l'heure actuelle j'ai pas trouvé une personne avec qui j'avais envie de faire ça, donc du coup je suis vraiment pas assez je suis pas assez bon quoi. Réussir 3 passes dans le coin adverse, ça me paraît pas mal hein. Vas-y, 3 passes dans le coin adverse, on va prendre ça. Oh les gars, faut se remettre dedans hein. Alors là je vous avoue, faut se remettre dedans. Parce que clairement, ça va être important. Il va falloir faire des points. On va mettre un petit peu plus d'Avermedia ici. Et puis, les gars, on est reparti en carrière. Alors, je sais que beaucoup de monde sur YouTube me demandait quand c'est que ça allait reprendre. Alors, c'est un petit peu par phase. Hein. Vous savez, nous, quand Ultimate Team nous plaît, ben, on tryhard Ultimate Team. Là, c'est vrai que pendant les événements, moi, j'ai beaucoup aimé hein, l'événement des changements de poste et tout, etc. Donc, du coup, j'ai tryhardé le mode. On a bien rigolé. Et là, du coup, c'est vrai que cet événement-là me plaît moins. Donc, du coup, ça nous fait plaisir de retourner sur le mode carrière et de pas jouer pendant une semaine. Et on n'était pas loin. Allez, premier corner. Vas-y, on a répété ça. On se souvient. Hop, et on prolonge. Oh, il y avait de l'idée. Hein. Il y avait de l'idée. Vas-y, donne. Ah, mince, je pensais qu'on allait être à la récup. Dommage. Ok. Ouais, après tu vois, je préfère trouver quelqu'un dans mon entourage ou dans mes amis, tu vois, qui serait motivé à me coacher sur Sorar. Après, comme je dis, je pense que c'est un investissement de temps aussi qui est assez conséquent en vrai, de ce que j'ai compris. Il faut un peu être à l'affût et tout, etc. Et si je regarde ma capacité à trade sur FIFA, je me dis que c'est pas forcément un bon signe pour aller sur Sorar, tu vois. En vrai, la vérité, je suis pas certain. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, Sorar, vulgairement, hein, parce que je n'y connais pas grand-chose,
C'est un jeu, un jeu de gestion. Tu peux acheter tes joueurs, etc., faire ton équipe, et en gros, par rapport aux performances dans la vraie vie, tu vas avoir un classement qui va peut-être te donner des récompenses. Et ces récompenses-là ont une valeur monétaire, vu que c'est de la crypto-monnaie. En sachant aussi, quel but ! On revient de la meilleure des façons, messieurs, dames, bonjour, je vous ai manqué. Vous m'avez manqué aussi. Et en gros, voilà, c'est de la crypto-monnaie, donc du coup, c'est un jeu d'argent, entre guillemets, quoi. Enfin non, pas entre guillemets, c'est un jeu d'argent. Après, certains le voient comme un investissement à long terme, parce que chaque joueur, en fait, ont une valeur monétaire, quoi. C'est-à-dire que, ben voilà, si tu veux t'acheter un Kylian Mbappé, ben il faut débourser les euros pour l'avoir dans ton équipe, quoi. Mais en gros, ça te permet quand même éventuellement d'avoir cette valeur-là d'argent qui est là. Et après, ben, avec ces joueurs-là, faire des compétitions qui peuvent te rapporter des prix. Après, peut-être plus encore d'argent. Et on ne sait jamais, tu as des joueurs que tu peux avoir peut-être dans ton club qui ne sont pas forcément intéressants, mais derrière vont le devenir, soit par rapport à un transfert, soit par rapport... Donc voilà, moi, j'y connais pas grand-chose. De ce que j'ai pu comprendre, c'était ça. Maintenant, ouais, je pense qu'il faudrait que je fasse un coaching en vrai hardcore pour un peu comprendre. Mais de ce que j'avais discuté avec quelqu'un, on m'avait dit que voilà, l'investissement minimum, si t'avais envie éventuellement de pouvoir un peu t'amuser, pouvoir avoir une équipe qui pouvait jouer un petit peu des trucs, il fallait quand même mettre un petit billet, quoi, de base. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, le chat, là, à l'heure actuelle, combien vous avez mis dans le jeu. Mais là, on me dit, voilà, poser un 1000 balles, c'est pas forcément déconnant pour éventuellement... commencer un peu à entre guillemets, t'amuser, avoir peut-être une chance de faire un classement intéressant sur une semaine. Alors, je vais pas te mentir, à l'heure actuelle, les 1000 balles, bon, ben, je les ai pas. Mais voilà, ça a bien baissé là. Ouais, possible, je sais pas. Franchement, je dis la vérité, je connais pas bien. Après, on avait fait ça il y a quand même 8-9 mois, hein, la première fois que j'en ai parlé à quelqu'un. Donc voilà. En vrai, à l'heure actuelle, je préfère jouer au poker, quoi. Je préfère jouer au poker. Mais bon, après, pourquoi pas? Enveloppé? Oh, elle est belle! Oh, mais attention, les gars! On est chaud! Vous avez vu ça ou quoi? Et on est bien, là! Mais là, avec 200 balles, tu te mets bien easy. Ok, Rom, ça marche. Bah, écoute, je vais me renseigner. Il faudrait que je me renseigne proprement. Je sais que j'avais fait un compte. Faudrait d'ailleurs que je le retrouve, parce que je dois avoir une ou deux cartes qui traînent dessus. Tu vois à quel point je suis assidu, je sais même plus mes comptes, etc. Donc voilà, il faudrait éventuellement que j'aille voir ça. On va se focus peut-être sur un truc, excusez-moi. Voilà, j'ai fait zéro pass, hein. Vraiment, vraiment un homme altruiste, hein, dans nos défis. Ça fait 3. Reviens ici. Reviens ici. Voilà, ça fait 4. Ça fait 5. Et derrière, double contact. Frappe premier poteau. Dommage. On a fait le défi là. Et la vérité, on connaît, hein. On demande d'être remplacé. Hein. Ah oui, les gars, faut qu'on avance. Hein. 2-0, il y aura pas de soucis. Pas de mauvaise surprise, c'est bon. Allez. 3-1, parfait. On a fait nos défis, c'est tout ce qu'on prend. Tu joues plus du tout à NHL? Non, j'avoue que je me suis pas mis cette année. Je me suis pas mis cette année. Après, comme je dis souvent, c'est une question de temps, beaucoup, que j'ai pas forcément. Et voilà, pas le temps, quoi, tout simplement. Pas le temps. Allez, continuons. Deuxième match de championnat, les petits potes. Il va falloir, prendre des points. Ah, j'ai pas regardé s'ils avaient perdu, éventuellement, on sait jamais. Hein. Mais ils ont perdu. Mais ils ont perdu. Non, match nul. Et les gars, on revient à 5 points. Il me semble. Hein. J'ai la bête. Non, ouais. Eh, il me semble. Il me semble qu'il y a un mauvais résultat là de... Je peux pas aller voir le match avant. Ok, tant pis. Je peux pas voir les résultats. Entraînement, activité, info, classement. Peut-être sous classement. Oui, voilà, là je remonte. Ils ont fait quoi les bougres? Atletico, là, ils ont gagné 4-2. Oh non, rien à voir. Ah bah non. Je pensais qu'ils avaient fait un mauvais résultat, mais pas du tout en fait. Non. Allez, on y va. Il y a un Bill fin du nerf qui est sorti. Ok, d'accord.
Bon, après, c'est pas un joueur qui va nous intéresser, mais... Ok, à voir la carte, hein. elle peut être intéressante si on a beaucoup de fodders. Là, à l'heure actuelle, j'ai pas de fodders, donc... Donc non. Puis bon, mon équipe Manchester me plaît pas mal, et de toute façon, il va falloir aller chercher Marcus Rashford. Éventuellement, en fait, hein, parce que, en définitive... On n'a pas forcément besoin de Marcus, quoi. On a surtout besoin de Varane, en fait. Hein. Varane. C'est surtout Varane qui nous manque dans l'équipe, hein, à l'heure actuelle. C'est le plus important, je pense. Hein. Fernandez, on l'a acheté. On l'a acheté. On s'est ruiné. On a mis tous nos crédits dessus. Écoutez, ben voilà. Maintenant, faut se remotiver. J'ai pas regardé les défis, pardon. Une note de 10. On sera mort. Et cadré de tir. Vas-y. Ah oui, et c'est but ça. Oh, à côté, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Attends voir. Ça y est, il veut que je perde. Je reconnais. Donne la balle. Ouais, bien joué, bien. Oh oui, remets. Ah, il fallait mettre avant. Ouais, j'ai sorti jeu. Dommage. Bah, c'est rapide, Ousmane. Je te le dis, hein. Bien joué, ça. Oh oui. Oh. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, les petits potes. Dommage. Le gars, faut être là. Hein. Oui. Oui. Tu la remets, tu connais. Hein. C'est basique. Hein. Alors là, mon gars, là, c'est l'école de foot. Hein. J'ai voulu faire une petite frappe en finesse. J'ai été un petit peu trop... Ouais. J'ai voulu faire... La petite frappe, tu sais, bien placée et pas de puissance, histoire qu'elle aille bien dans le petit filet. Eh ben, j'ai été mauvais. En tout cas, il y a des espaces, hein. Clairement. On a des espaces, ça joue bien. Ah, j'avais oublié qu'on pouvait pas dribbler tellement. NBA, t'es déçu? Je sais pas, j'ai pas joué non plus. Après, c'est vrai, hein, comme je vous dis, les gars, moi, à l'heure actuelle, j'ai tellement plus le temps de jouer à tous les jeux que j'aurais bien aimé tester. Là, déjà, qu'on va faire un petit peu de F1 quand j'aurai le volant. Let's go! 1-0. Et ça, c'est beau. Mattel.net, hein, qui va nous envoyer un petit volant là pour ma Xbox. Du coup, trop content. On va pouvoir se faire ça en stream, ça va être sympa. Je pense qu'on va faire une petite carrière, en vrai, un petit truc. Ça va être rigolo. Et puis voilà, bon alors après hein, je suis un peu éclaté au jeu, mais on s'amuse bien. Pour ceux qui n'aiment pas la F1, désolé d'avance. Mais c'est vrai que moi non plus, j'aimais pas la F1 avant de m'intéresser à la série qui était sortie sur Netflix. Depuis, franchement, je m'y intéresse pas mal. Donc tout naturellement que j'ai pris le jeu aussi. Et franchement, le jeu est cool. Hein. Franchement, le jeu est cool. Hein. Eh ben, bienvenue Miss Catch FIFA, comment ça va? Faute. Bah oui, bien sûr qu'il y a faute. Ah, bien sûr. On va faire la technique de bâtard. Bouh. Chou. Pas loin. Pas loin, pas loin. Ouais, ouais, là, mode carrière aujourd'hui. C'est vrai que cette semaine, l'événement FIFA nous intéresse pas plus que ça, donc on va profiter d'avancer un peu le mode carrière. D'autant plus que là, je pense qu'on pourra finir la saison de Barcelone cette semaine. Tu vois, si on fait aujourd'hui et on fait demain, en vrai, il y a moyen qu'on finisse là, la saison. Donc ça va être intéressant. Si on arrive à remplir nos objectifs, on sera vraiment très content. Il nous restera plus que le faire en Angleterre, si possible, et en France. Après, oui, l'Italie, bon, on a gagné des champions qu'on a compté un petit peu comme défi au final réussi, même si on n'a pas gagné le championnat. Oh, belle passe ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Oh, le deuxième poteau, il est tout seul. Oh la galette. Oh non, tu trolls. Quelqu'un? Ok, non. Ouh, attention les gars. Attention. On nous rappelle qu'on a clairement pas gagné ce match. Ouais, c'est bien ça, j'aime bien quand vous jouez dans les pieds là, c'est bien ça. Ça c'est des bonnes relances. Ouais, il faut prendre des risques un peu des fois.
petit peu peur de ce match. Bon, on verra bien ce que c'est le prochain événement. Ouais, peut-être 8-10. Ouais, on va voir. De toute façon, les gars. Ah, superbe passe de ma part. De toute façon, on a plein de choses. Voilà, on a d'autres choses à faire. Donc, c'est pas forcément un souci. Mais là, c'est vrai que ouais, cet événement. Carte évolutive. Il n'y a pas de joueur qui me plaît à l'intérieur. Donc, la flemme de tryharder des matchs pour monter des joueurs qu'au final, je jouerai jamais. Alors, pour des SBC, ça peut être intéressant. Mais ouais, la flemme, en vrai. La flemme. Donc du coup, voilà, après je vous mens pas, hein, il y aurait eu un joueur de Manchester, à tout moment il m'aurait intéressé, ouais j'aurais tryhardé l'événement. Mais là, là non. Du coup, bah, on se retrouve sur autre chose. T'es hype de eSport? Pas du tout. Je pense que être hype du prochain jeu de foot de EA, c'est impossible. Ça fait maintenant depuis 2018 que le jeu est mauvais et qu'ils vont pas dans le bon sens, donc non. Après, curieux, oui. Hype, non. Moi, j'ai juste envie d'avoir le jeu en main et faire mon propre avis, tu vois. Mais de toute façon, ça va être très compliqué pour eux de relever la barre, quoi. En vrai. Allez. 2-0. Nickel. Ça, c'est bon, ça. Niveau de défi, on devait faire quoi? Ah, note de 10. Ouais, ça va être dur. Je crois que j'ai demandé le remplacement, les gars. 2-0, 53ème. Pas prendre de risque de blessure, parce que ça, c'est vraiment la hantise. Et on va se tirer un... Oh, peut-être un petit dernier but avant, là, quand même. Ah, il était plus rapide que moi, d'accord. Pardon, j'ai pas fait exprès. Pas de rouge, hein, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. J'ai pas fait exprès. Tout va bien. Pas de rouge, quand même. Non, c'est bon. C'est qu'on est plus sur le terrain. C'est un fait. Allez. Pas de bêtises, voilà. 2-0, c'est gagné. Nickel. L'Atlético n'a pas encore joué contre la Sociedad. Ok. On continue. Ligue des Champions maintenant. Et là, ça va être... Alors, je vais pas vous mentir, Ligue des Champions, c'est pas notre priorité. Du coup, on va se permettre ici de simuler par rapport au fait où déjà, de toute façon, on a gagné le premier match 3-1. Et que de toute façon, même si on n'est pas plus en Ligue des Champions, c'est pas grave. Là, il faut vraiment qu'on focus un maximum notre championnat. On va juste regarder s'il y a eu un faux pas éventuellement. Non, pas de faux pas. Toujours 5 points de retard sur l'Atlético. Allez, jouer match. On va donc le simuler. On a gagné 3-1 et là, on joue chez nous. Pas forcément de risque qu'on se fasse éliminer ici. Voilà, on se qualifie. C'est parfait. Et on passe pour le match suivant. Après, bien sûr que bon, si on arrive en demi et tout sans forcément forcer, on va se poser les bonnes questions, bien évidemment. C'est clair. Ça fait combien de temps que tu n'avais pas fait de carrière? Oh, je sais pas, un petit moment. Un bon petit moment quand même. Hein. Alors, du coup, ils ont joué et ils ont perdu, les gars. L'Atlético de Madrid a perdu son match. Du coup, on a l'opportunité de revenir à 2 points. Alors, celui-là, faut le gagner. Hein. Villarreal, là, faut gagner, les gars. C'est important. C'est important. Pour l'instant, les événements vont en notre faveur. Intéressant, hein, ce championnat. Hein. Serré. Pas simple. On espère réussir à faire les différences. Toujours une bête de charisme. Ouais, alors je sais pas trop ça, mais en tout cas, c'est une bête sur le terrain. Et ça, c'est beau. Ouh, il pleut. Ouh, il pleut. On n'est pas habitué, nous, quand il pleut. Des petites frappes à terre là qui vont fuir comme ça, ça va être beau. Ah, bien joué, bien joué, bien joué, bien défendu, bien défendu. Non, bien défendu. Tu voudrais pas créer ton club pour une guerre FIFA? Non, pas pour l'instant en tout cas. Non, je suis hors jeu. C'est quoi cette passe? J'ai pas regardé le défi, je regarderai après. Ouais, il me donne le tournis là. Ah, j'étais trop proche du défenseur, je peux pas faire grand chose avec cette balle. Qu'est-ce que ça joue bien? Oh, dommage, ça méritait mieux. Ça méritait clairement mieux. Allez, viens.
je vais vous le prolonger encore. Oh, ça méritait tellement. Oh, ça méritait tellement. Le petit dribble là qui a fait glisser l'adversaire, j'aime beaucoup. On va regarder le défi vite fait. Éviter la défaite, cadrer de tir. Ok, ça marche, vas-y. Ça, faut que je fasse attention parce qu'un 2-10, je peux pas la faire. Ou alors, faut que je sorte le master match. Presque impossible à faire avec le temps que j'ai à disposition, vu que c'est des matchs assez courts. Ils vont pas où, dans la direction où je pensais qu'ils allaient aller. On va tenter. C'est toujours l'avant-dernière difficulté, je crois que c'est champion que ça s'appelle ou un truc comme ça. Putain, sérieux, ils défendent bien ces connards. Ah, ils savent hein, que je peux revenir à 2 points. Ils le savent hein. Non. Bon, ça va, ça va. On va pas nous mettre un but du siècle là quand même. Oh! C'est rouge ça, monsieur l'arbitre! C'est scandaleux même! Petit compte favorable qui fait du bien là. Ah, je pensais que j'allais le prendre de vitesse. Pas du. Ah, bah c'est Rudiger. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, le bourre? Chiesa. Et à part en temps, Villarreal, ils ont une pure équipe quand même. On n'avait pas fait attention, mais. Ils ont des très très bons transferts. C'est le River Pro. Déçu pour derrière. Bah écoute, tout dépend après qui va prendre la place de numéro 1. Ouais, je sais pas trop quel est le projet. J'ai pas trop suivi. Après, voilà, toutes bonnes choses ont une fin hein, pour tous les joueurs. Après, bon ben. Bah, c'est un gardien qui faisait de toute façon pas l'unanimité. Hein. Moi j'aimais beaucoup, mais c'est, apparemment c'est un gardien qui faisait pas l'unanimité, donc. Écoute les choix, on verra bien ce que ça va donner. Oula! On a peur là. Quel arrêt du gardien. Voilà, c'est tendu en vrai. Oh là 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 là, ce qu'on a mis les gars! Magnifique! Magnifique. Celui-là il est beau hein. Hop, petit crochet, on prend la vitesse, on tient au physique, on finit. Nickel. 1-0. Ça c'est beau ça. Juste avant la mi-temps, comme par hasard. Tu connais le jeu de toute façon. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez. Il va falloir être solide sur la deuxième mi-temps et ça va le faire. Ça va le faire les gars. Allez, on a déjà fait un peu le défi qu'on devait faire au minima. Donc au pire, si on met un 2-0, les gars, on va se permettre de sortir. C'est quoi le record de but sur une saison en Liga, les gars? Quelqu'un sait? Parce qu'à tout moment, on va le battre, hein. Ce que tu faisais. J'ai pas compris, hein, Mister. Ah, la roue de la chance, oui, bien sûr, c'est toujours disponible, bien évidemment. Il y a toujours un eSport FC à gagner, il y a toujours des points FIFA à gagner, il y a toujours éventuellement à me faire un discard game. Donc, oui, bien sûr, c'est toujours dispo. Toujours dispo. Hier, les gens ont plus pris la roue Pokémon, hein, parce qu'il y a aussi une roue pour Pokémon. Du coup, voilà, la roue Digger. Oh là là, c'est pas facile à passer, hein. C'est pas facile à. Ah, il faut y aller hein, pour le passer. Hein. Oh, dommage. Dommage. T'es sûr, récupérer là, les gars. T'as vu l'espace qu'il y a derrière. Oh là là.
Oui. Boum. Mais let's go, les gars. Let's go. Mais oui. Allez, on se tire. Ok, on fait comment? Il faut s'abonner. C'est ça, Miss Catch? Oui, c'est ça. Elle est toujours disponible. C'est à chaque abonnement, en fait. Quand une personne s'abonne ou offre un sub, on fait ça. Exactement. Là, c'est laquelle qui est en place? Là, c'est... Attends, je vais te la montrer. Je vais te la montrer. Bouge pas, faut que je la set up, parce que là, j'avais set up celle de... Celle de Pokémon. Ça, c'est bon. Hop. Est-ce qu'il est toujours là ou pas? On ne bouge pas. Ok, c'est bon. Simule la fin du match. En gros, la roue, regarde, c'est celle-là. Faut que j'aille sur cette scène-là. Elle est là. Et en fait, dans cette roue-là se cachent plein de choses, plein de défis. Il y a aussi des perdus, mais il y a pas mal de choses. Il y a des points FIFA à gagner, il y a aussi un eSport FC à gagner, il y a les discard games, etc., etc. Donc chaque fois qu'une personne prend un sub ici ou offre un sub, on tourne la roue en fonction du nombre de subs qui a été pris et on y va. Allez, les gars, victoire ici, on revient donc à 2 points. Ça commence à être sérieux et intéressant. Ça commence à être solide à 9 matchs de la fin. Et regardez, regardez qui arrive. Regardez le match qu'on va s'offrir ici. C'est limite une finale, hein. Là, après, celui qui gagne va faire la course devant. Et ce sera celui qui fait le moins d'erreurs. Atlético Madrid face à nous, les gars. C'est maintenant le match. Le match qui est important au final. Vas-y, on s'en fout, hein, en fait, un peu. Ah non, quoique, j'ai pas fini ça, faut que... limite que je finisse, en fait. Hop, 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 ça on s'en fout. Hop, hop, hop. Oh, la flemme de récupérer. La flemme de récupérer. Allez les gars, c'est le match de la saison. L'Atletico face à nous, chez nous, devant notre public. Ça va pas être simple. Alors, tel Félix, Havertz, The Paul, Foyt, Acuna, Faes, Saliba ou Pamecano. Putain. La défense, elle est solide. Hein. Allez, c'est parti, les gars. Il va falloir gagner ce match. Il va falloir tout faire. Hein. Parce que vraiment, après, je suis pas sûr qu'ils font des erreurs. Si on perd, on revient à 5 points, 2 erreurs en 9 matchs. Ouais, c'est mort. Là. Si on perd, je pense que le championnat est mort. Si on fait match nul, on peut encore éventuellement espérer. Si on gagne, ça dépendra que de nous. Et ça, on aime bien quand ça dépend que de nous. Parce que il va juste falloir être solide et concentré. Il n'y a aucune raison qu'on fasse de faux pas. Allez. Dans notre stade, 30e journée. Tu vas faire tous tes lives sur Kick? Bah à l'heure actuelle, ouais, je suis sur Kick, ça se passe bien. Je vois pas pourquoi je retournerai sur Twitch. Tu vois. Allez. C'est parti. C'est parti. Allez, va falloir être solide. Va falloir limiter. Si on peut se rendre le match facile, c'est cool. Oh, rouge. C'est bon, rouge. Sortez-le. Ah, c'est scandaleux. Scandaleux, il lui arrive quoi, lui? Oh, j'ai envie de le tenter. Mais ça va être dur, hein. J'ai envie de le tenter. Intérieur du pied rasant, intérieur du pied brossé. Avec un peu de puissance. Et à tout moment, il y a un monde à rendre, quoi. Non, non, non. Cherche tes coéquipiers. Non, non, non. Je suis la légende de ce club. Il n'y a aucun moment où je vais chercher mes coéquipiers. Pas vous mentir, monsieur le coach. Il y a un trou, là. Wesh ! Dommage. Dommage, ok, Oblak, il va falloir le passer, Oblak, hein, je vous le dis. Oh, il n'y avait personne au deuxième, les gars, on le répète à l'entraînement, pourtant, vous faites quoi? Sérieux, les gars, oh, se réveiller. Allez, pressing, pressing, pressing. On peut récupérer là. Ok, ils nous ont bu. Ok, ils nous ont bu. Bien joué.
tombe, Pedri tombe. Il pourra refoutre là. C'est pour les abonnements. Les abonnements, la roue. Tu prends un sub pour toi, tu tournes une fois la roue. Tu prends 5 subs, tu tournes 5 fois la roue, etc, etc. Attention, putain de merde. Voilà, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. C'était chaud. Demande pas s'y démarquer. Bah non, je demandais juste qu'il joue le duel. Je demandais pas une passe vraiment, coach. Par contre, là, pour l'instant, on n'a pas la balle. Hein. Pas se mentir. On serait pas étonné de prendre le 1-0 là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est pas mal en fait. Oui! Oh, dommage! Oh, dommage! Allez là, les gars, allez! Bah, c'est quoi cette passe? J'aime pas, hein. On se fait dominer là. Hein. C'est pas une impression, les gars. On est en train de se faire balader. C'est qui ça va et toi? Ouais, exactement. Si tu prends un abonnement à la chaîne Kick, ouais, exactement. Donne à droite. Donne à droite. Et on a peur d'aller vers l'avant, j'ai l'impression. On a peur d'être champion là. Oh, dommage. Dommage. Ah, là ça commence à être tendu hein, parce que à 37ème, je suis en train d'imaginer si on prend le 1-0, devoir marquer deux buts alors que on s'offre pas beaucoup d'occasions. J'ai peur. Attention, le nouvel événement fut. Ah bah si on est en carrière, c'est bien que l'événement nous plaît pas plus que ça. Nous, c'est pas un événement qui nous plaît. Après, le fait aussi qu'il n'y ait aucun joueur qui m'intéresse fait que bah voilà, on va pas très regarder pour un événement où il n'y a pas de joueur intéressant pour nous. Oui, oh, c'est... Ah non, les gars. Les gars. C'est peut-être... Oh, faute! Ah, c'est peut-être la défense de l'année, là. Mais tu peux mettre un carton, hein. Faut mettre la pression aussi au monsieur l'arbitre au bout d'un moment. Le sauvetage qu'il fait, par contre, sur la ligne, c'est incroyable. Hein. Voilà, très bien. David Beckham rentre dans mon corps. Ils sautent, les bâtards. Oh, j'ai peur. J'ai très très peur. Bon. Pour l'instant, c'est pas un bon résultat. Il faut vraiment qu'on arrive à passer. Après, attention, il y a deux joueurs à eux qui ont des jaunes. Deux défenseurs. Il faut qu'on commence à mettre vraiment plus la pression offensivement. Vas-y, la presse, 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 presse. Encore, on presse. Un autre. Montez d'un cran. Voilà, tu vois. Faut l'arrêter là. Là, faut l'arrêter maintenant. Là, c'est une faute. Voilà, bien. Oh putain, ils sont là, hein. Ils sont là, hein. Mais c'est quoi ce corner?
Je veux pas faire un match nul, faut qu'on passe devant. C'est tendu, hein. Joue bien, j'aime pas cette action. On la connaît. Bah ouais, c'est clair. À quoi ça joue comme ça, c'est clair. Ah putain, c'est dur. Ah non, c'est dur. C'est dur là. Aïe, le mauvais résultat. Allez, faut absolument égaliser. Sinon, je pense que le championnat, c'est mort. 5 points, ça va être trop compliqué. C'est tellement solide derrière, les gars. C'est impressionnant. Hein. Après, l'Atlético, hein, fidèle à eux-mêmes. 5 défenseurs. J'essaye, hein. J'essaye de trouver un coéquipier, quelque chose, mais... Regarde, frérot, c'est une armure, le truc, quoi. Oh, j'ai l'impression qu'on va perdre le championnat là-dessus, genre le seum. J'ai pas envie de refaire une deuxième saison en Espagne. Je vais retourner à Manchester, moi. Mais non! Mais putain! Mais c'est pas possible! Ah non, là c'est trop! Ils sont tout seuls, il y en avait un juste derrière moi et un peu plus loin, il le met au joueur qui est pas avec nous. C'est trop dur. Oh, ils font tourner ces bâtards. Ah, j'aime pas ça. Oh là 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 là, et on leur rend la balle directement. Non! Pourquoi c'est comme par hasard ces matchs-là qui sont une galère? Alors qu'à la base, tout se passe bien. Ouais, putain. Bien sûr, ça revient dans leurs pieds. Hein. Ah oui. Eh oui, c'est fini maintenant. Putain, le poteau d'une saison. Sur ma tête, c'est peut-être le poteau d'une saison, les gars. C'est peut-être le poteau d'une saison. C'est quoi ça? Ok. Match nul. Fallait pas trembler là. Hein. Là, fallait clairement pas trembler. Hein. Bon, bah écoutez, ça va. Putain, ils m'ont mis défenseur droit. Hein. Allez. Ok. Bon, on reste à un point, les gars. On va se focus championnat. Hein. Vraiment, on va se focus championnat. Je vais pas mentir, avec des champions, c'est mort. Hein. Non, Mister, j'ai pas eu l'alerte. T'as dû follow, je pense. En vrai. Tac. Hop là. Ça marche pas, hein, si jamais sur l'application, il faut passer par le navigateur internet, hein, pour pouvoir t'abonner. Allez. Bon, mauvais résultat. Mais vu la physionomie du match, bon résultat. Parce que bon, bah, on était mené à la 90e. Donc du coup... Voilà, c'est pas un bon résultat parce qu'on aurait préféré passer devant. Mais ma foi, ben c'est la vie. On va simuler bien évidemment le match ici. Je suis désolé les gars, mais ça va vraiment pas être ma priorité tout ce qui est Ligue des Champions. En plus on perd 1-0, mais c'est pas grave. Franchement, je dis la vérité, j'ai pas forcément envie de la jouer. J'ai vraiment envie de focus sur le championnat.
ici. C'est vraiment pas notre priorité avec des champions. Et d'ailleurs, ben, ça peut nous faire en sorte qu'on se fatigue un peu moins. Ça peut être assez intéressant. On va faire un petit entraînement pour repasser titulaire. Et on va devoir tryhard le prochain match. Prochain match qui est contre Mallorca. Ils ont joué, ils ont gagné. Voilà, c'est parti. Là, maintenant, l'Atletico, ils sont partis sur de la win pure et dure. On va espérer qu'ils passent un faux pas, quoi. Un faux pas, on peut passer devant. Allez, on skip ça. Faut se remettre dedans. Faut se rendre les matchs faciles, en fait. Hein. C'est le but, hein. Vraiment, marquer 2-3 buts en première mi-temps. Allez, allez se reposer sur le banc et passer au suivant. Hein. Ça va être ça. Vas-y. Le petit maillot blanc qui est sorti. Allez, les gars. Remontrons notre puissance. Montrons que on va aller jouer le titre. Il faut mettre la pression à fond. Hein. Maintenant, nous, on n'a rien à perdre. Hein. On est dans la position, on n'a rien à perdre. C'est eux qui ont tout à perdre en faisant un faux pas. Nous, les gars... Si tout bouge pas, et bah ce sera comme ça. Donc juste leur mettre la pression sera déjà très très bien. Par contre, perdre des ballons comme ça, c'est vraiment pas forcément super nouvelle. Hein. Ouais, il y avait un angle. Il y avait un angle à aller chercher. Hein. Par contre, l'arrêt miraculeux, là, il est beau. Hein. On la retente. Voilà. Ouais, c'est pas grave. On va mettre la pression pour qu'il dégage, pour qu'on gagne le duel de la tête. C'est important. On appelle la balle. Voilà. Et on joue en pivot. Il y a une main. Ouais, c'est clarinette, il y a une main. On va tenter l'extérieur du pied ici, même si on est vraiment éclaté au niveau des... des coups francs. Mais bon, c'est jamais un surmattendu, il y en a un qui peut rentrer. Pff, c'était pas loin au final. Hein. Éclaté, éclaté, bon. Genre de truc où t'as 25 occasions, tu vas pas en marquer une. Allez, hein, Yesport. Ok, j'aime pas ça les gars. Hello Daddy. Allez là, s'il vous plaît. On pourrait déjà être à 2-0, ce serait pareil en vrai. Tellement on a eu des occasions. Je suis en contrôle de la main. C'est pas notre journée, les gars. Je crois que le match de la discipline nous a fait mal, hein, mentalement. Oh oui. Voilà. Ok. Nice. Allez, on y va là. Wow, il a mis un pur tac, bien joué. Oh, c'était beau, hein. Rien à dire. Ah bah les gars, au bout d'un moment, il y a un titre qui se joue. Hein. Le petit extérieur du pied de 0. Allez, si on peut en mettre un petit troisième, on prend. Comme ça, après on se tire. Et là, attends, je devais faire quoi comme défi? Attends, au moins deux. Ah, il faut que je marque encore un but d'ailleurs. Bah vas-y, encore un but et on se tire. Et faute. Bah c'est faute. Monsieur l'arbitre. Scandaleux. Ouais. Non. Allez là. Mais non. Mais vous êtes sérieux les gars? C'est quoi ce délire là?
se met pour la relance. Vas-y, il est dans les 5 mètres en plus. Tu sens, hein. Tu sens que là, il y a des trucs qui se passent où tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Le corner, il intervient sur un bug où tes joueurs, ils font n'importe quoi. Derrière, but. Ma faute. J'aime pas trop là ce qui se passe, les gars. J'aime pas trop ce délire. Joue à côté de toi. D'accord. Ouais, je... On les connaît ces matchs, hein. J'aime pas. J'aime pas. Je sens qu'on va se faire douiller. Je sens qu'on va se faire douiller, les gars. J'ai l'impression que c'est un peu écrit. Allez. Allez là. Pas perdre ce match, absolument pas. Ni faire match nul. En fait, là, n'importe quel faux pas, c'est mort le championnat. Ok, nice. Allez, c'est bon. On sort là, on a fait nos défis, on a mis nos buts. Je pense que là, c'est bon. Maintenant, on a fait la différence. Pas de bêtises, le jeu. Voilà, 4-1, nickel. On continue, les gars. Allez. On peut le faire. Tout va bien. On va faire l'entraînement ici. De toute façon, on va être éliminé avec des champions, logiquement, contre City. Pas bien grave. C'est vraiment pas notre objectif, encore une fois. Nous, ce qu'on va aller voir, c'est le championnat ici. Jouer match. Simulation rapide. On a perdu 2-0 à l'aller. Et on va perdre ici. Oh, 2-1. C'était pas loin. C'était pas loin de faire un petit miracle. Mais nous sommes éliminés. Et ce n'est pas un problème pour nous. Alors, qui c'est qui passe? Du coup, City passe. United passe. Magnifique. Bayern et l'Atlético Madrid. Hein. Comme quoi, ça peut être très intéressant parce que l'Atlético sont encore en Ligue des Champions, nous pas. Nous, on n'a plus que le championnat. Eux, ils ont deux compétitions à jouer. Ça peut les fatiguer. Et il y a peut-être moyen qu'ils fassent un faux pas un jour. Allez, dernier match de cette petite vidéo. Après, on continuera en live. Mais là, en vidéo, on est déjà à 47 minutes ici. Donc, on va se focus sur ce dernier match pour essayer de gagner et de continuer à mettre la pression à l'Atlético. En tout cas, c'est une belle, une belle bataille. Hein. Vas-y, cadrer 5 tirs, 4 tirs, c'est bien. Cadrer 4 tirs. Allez, il faut marquer des buts vite, sortir vite, pas se blesser et on sera bon. Ah, moi, depuis que j'ai eu ma blessure, les gars, je suis un flippé. Hein. Parce que là, imagine, tu prends une blessure maintenant, fin de championnat. Ça dépend plus de toi. Tu dois attendre et voir si ça va passer ou pas. C'est affreux. Par contre, ces passes-là, non. Tu vois, c'est des passes comme ça, on peut pas accepter. Il faut aller sur un navigateur internet, Misketch. Sur l'application, ça marche pas. Allez. Non. Pas toi. Pas toi. Ok. Il y avait hors-jeu ou je sais pas trop quoi. Joue à côté de toi. D'accord. Non, on doit marquer ça. Ah non, ça on doit vraiment marquer. Ouais, bon. Ah.
trop stressé en fait. Je suis trop stressé de voir marquer vite. Pedri. Oh là, ça va les arrêts. Ça va. Essayez. Hein. Ça commence à me stresser là déjà. Putain, fait deux arrêts miraculeux. J'ai l'impression, tu vois, on est trop matrixé par le jeu. J'ai l'impression que là ils veulent me douiller quoi. Non, toujours pas, chef, toujours pas. Hello Greg, ça va ou quoi? Attention, attention. Voilà, bien. Mais vite, 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 vite. Jouez vite devant. C'est quoi ces contrôles qui me fait maintenant? Oh mais c'est pas possible! Oh là 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 là! Yeah, sérieux! Aidez-moi, donnez-moi un petit bug là que je puisse marquer. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas ces matchs! Mais il fait n'importe quoi frérot, Ousmane! T'es à chier frère, cours un peu! Pas pour rien qu'on joue sur toi en profondeur, c'est pour que tu cours. Mais j'ai même pas demandé la balle. Ouais, des trucs bizarres qui se passent. Pas vous mentir, quand ça devient compliqué et serré et important, des trucs bizarres qui se passent ici. J'aime pas trop ça. Allez, passons, c'est pas grave. On va espérer que ça se passe mieux sur cette deuxième période. Mais là, la première, pour l'instant, c'est une galère sans nom. Dans les 16 là, mais frappe-moi ça! Oh! Oh, on va pas perdre avec un gardien qui a une queue de cheval quand même. Mais frappe! Pourquoi tu fais une passe? Allume la lucarne! Oui, alors, follow, c'est alors. Le follow c'est gratuit, c'est la chose de base. Après tu as l'abonnement qui est payant, qui est un clair soutien que tu fais à la chaîne. Et ça justement pour remercier les gens qui prennent l'abonnement, on fait tourner la roue. Par contre je vais pas vous mentir, là c'est bon, le cheat code est activé de la part de eSport là. T'as vu tous les arrêts qu'il fait le gardien? On a jamais vu ça de notre vie. Ah non, parce que si je tournais la roue à chaque follow, les gars, on en aurait pour... On ferait des lives tournage de roue, hein, vraiment. C'est clair.
Bah si, là, jouez devant maintenant. Les gars, je crois que ça va être le match qui va nous faire perdre le titre, ça, non? Ouais, ouais, ça se sent. Hein. Ah, sérieux, vous voulez pas marquer un but, en fait, les gars? Non, parce qu'on se bat, hein. Vraiment, on donne tout, là, mais... Y'a personne qui a envie de gagner le championnat. Ils veulent pas gagner le championnat, c'est pas, je vois pas d'autres possibilités. Mais tu peux pas jouer devant, mais il est con, ma parole. J'ai envie de virer des gens. Pas Bennett, justement, j'ai envie de le virer. Sérieux, c'est trop solide, c'est impressionnant, frérot, on dirait qu'on joue contre la meilleure défense au monde. Arrêtez, eSport, pourquoi il y a des équipes qui deviennent injouables à ce moment-là de la saison? C'est pas possible. C'est impressionnant, les gars. Ils tirent là où il n'y a personne. Perdre le championnat à la 90e, j'y pense, hein. Mais c'est pas possible. Non, 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 non. La passe, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse, la passe. Non, 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 on va perdre le championnat là-dessus, les gars. Contre qui? On sait même pas qui c'est. CAD, frérot. CAD, c'était un duo d'humoristes français. Bah, bien sûr, mais c'est évident. On l'a annoncé en première mi-temps qu'on perdait le championnat à la 90. C'est trop ce jeu. Même en carrière, t'es pas tranquille avec leur script, quoi. Même en carrière, t'es pas tranquille avec leur script. C'est trop. Ah, j'ai envie de rage quit. Bah, je vous jure, j'ai envie de rage quit. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est excessivement trop. C'est deux frappes du match. On en a fait 9, comme par hasard. 80. C'est trop. Comment on peut prendre du plaisir, même en mode normal, où on se fait voler, en fait? C'est impressionnant. Et puis, comme par hasard, hein, mais juste comme par hasard, ils avaient fait un faux pas. C'est un délire. C'est un putain de délire. Comme par hasard, l'Atletico avait fait un faux pas. Et ils ont fait en sorte et qu'on gagne pas le match. C'est fou. Comme le script est présent même en mode amical, quoi. C'est un délire. Ils avaient fait 1-1. Eh ouais, ils avaient fait 1-1, les gars. C'est dur. Vraiment, il y a des moments, je comprends pas comment le jeu, il peut autant être scripté, quoi. C'est assez impressionnant, hein, quand même. Hein. Mais bon, bah écoutez, ça fait partie du jeu, malheureusement. C'est comme ça. On n'a pas le choix et on doit accepter ça. Mais putain, c'est dur. C'est dur, quand même. Vas-y, on arrête là. On reprendra la prochaine vidéo live. Les gars, on va reprendre tout de suite. Là, ça va être très compliqué. Hein.